Qu'est-ce que tu vas chanter? Pipi. Oh non! Dames et messieurs, j'espère que vous allez bien, c'est Thibaut Etchef et c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va regarder ensemble une émission de télé que je regardais quand j'étais petit. Elle s'appelait L'école des fans. Et elle était présentée par Jacques Martin. C'était une émission où le présentateur posait plein de questions aux enfants et les réactions étaient beaucoup trop drôles pour que je les garde pour moi. T'arrêtes un peu de me cracher dessus. Oh, mais pas chaud. Vous êtes prêts? C'est parti. Juste avant que la vidéo commence, on est en route vers les 10 millions d'abonnés. Et si on atteint les 10 millions d'abonnés, je vais organiser un concours incroyable pour vous faire gagner plein de cadeaux. Donc abonnez-vous tout de suite et on se tient au courant. Ah, un sportif. Oh, oh le pauvre. Ça fait mal? Oh, j'ai eu peur. Ça va Magali? Oui. T'es contente d'être venue? Oui. Pas convaincue. Qu'est-ce qu'elle t'avait fait à manger, mamie Belgie? Des pommes de terre. Des frites, hein? Dédicace aux Belges. Et comment il s'appelle, papa? Papa, il s'appelle Freddy. Freddy? Freddy. Qu'est-ce qu'il fait comme métier? Gendarme et puis... Ah, il est gendarme, Freddy? Oui, mais aussi les autres gendarmes à la gendarmerie, ils boivent quelquefois des pintes. Ils boivent quelquefois des pintes. Ils boivent des pintes à la gendarmerie? Et ils sont des buveurs. Ah, c'est des buveurs, hein? C'est incroyable. Il boit de l'eau ou du vin? Du vin. Ah, j'en étais sûr, c'est un copain à moi. Combien il boit par jour? 1, 2, 3 litres. Ah, ça va. Je crois qu'il y a 2-3 verres. 3 litres par jour. Maman boit du vin un peu? Ouais, un petit peu. Combien de litres? Ah bah c'est pareil que lui. C'est génial. L'innocence des enfants, c'est génial. Qu'est-ce qu'il fait ton papa comme métier? Inspecteur des impôts, mais un inspecteur gentil. Ah, ça se voit qu'il a été formé. Il a révisé avant de passer. Qu'est-ce qu'il fait ton papa? Eh ben non. C'est un bon métier, monsieur, ça. Et ta maman, elle travaille aussi? Elle s'occupe de moi. C'est un beau travail, ça. Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grande? Danseuse et sainte vierge. Là, j'aimerais quelques explications. Pour être auprès du Jésus. Et qui c'est, Jésus? Mais non. C'est un petit bébé. Et qu'est-ce qui lui est arrivé? Oh, l'accent. Jésus? Il y a eu des méchants, ils lui ont mis des clous dans la tête. Ils ont mis des clous dans la tête? Qu'est-ce que tu veux quand tu seras grande, Fanny? Les œufs. Ah, ça c'est un métier cool. Putain, j'aimerais trop faire une émission comme ça en vrai. Qu'est-ce qu'il les fait les œufs? Maman. Qu'est-ce que tu aimes le mieux? J'aime le cassoulet. Le cassoulet? Quand maman fait du cassoulet, ben moi je fais toujours la nuit. Tu fais? Qui est-ce qui pète encore? Oui, papa et Christelle. Ah, ils sont gênés les parents. Et toi, qu'est-ce que tu manges? De la soupe de poisson que mon papy pêche. Ça, je te gueule. Et aussi des shish kebabs. Parce que ton papy, il pêche le shish kebab. Non, il pêche la soupe de poisson. La soupe de poisson. L'accent, c'est incroyable. Tu as choisi un métier pour quand tu seras grande? Maîtresse. Voilà, vous voyez, tout pour l'éducation nationale. Elle est gentille, ta maîtresse, à l'école? Des fois, elle est gentille. Qu'est-ce qu'elle fait quand elle n'est pas gentille? Elle met des trempes. Oh. Et des trempes, qu'est-ce que c'est une trempe? Ça veut dire une gifle. À l'époque, ça rigolait pas à l'époque. Hein. Et toi, qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grande? Docteur. Ah, docteur. Qu'est-ce qui t'attire dans le métier de docteur? Les femmes. Femme nue. C'est dit! Ah, c'est Charo, quoi! C'est la première fois que tu vois Patrick Juvet? Ouais. Comment tu le trouves? Habillé. Il est habillé. Si t'étais grande, tu te marierais avec Pierre? Non, parce que déjà qu'il a un papy, quand je serai grande, et ben il sera déjà un pépère. C'est génial. T'en as un pépère, toi? Oui, il pense que t'es fille. Il pense aux filles, pépère? Oui! Il y a eu du bruit dans les chaumières après l'émission. Tu la vois, la télévision, Mireille Mathieu? Des fois. Elle est jolie, hein? Oui. Tu marierais bien avec elle? Oh oui, ça oui, hein? Parce que je l'aime trop. Trop attention, mignon. Attention, restez sérieux, attendez les fiançailles. Tu es venue avec qui ici? Mon papa, ma maman, mon fiancé. Ah, il est fier. C'est trop drôle les enfants, c'est trop mignon les enfants. Ils ont aucune gêne. Vous pouvez vous embrasser alors? Non. Pourquoi? Parce que on n'est pas encore mariés. À l'époque où il y avait des valeurs. J'ai déplacé tous les océans. C'est pas ça que j'ai appris. Le comble, c'est que c'est moi qui me suis trompé. Va t'asseoir. Pardon. C'est vrai qu'il t'a trompé. Et si ça va pas, hésite pas à donner un coup de poing. Hein. Pour vous aider, j'irai inventer. Bon, d'accord. L'amitié.
pardon ? C'est pas fini ! Ah bah oui, alors chante la fin alors. La patate, on va t'attirer toi. On va t'assire. On va t'asseoir. Tu veux pas que je reste debout ? Non. Alors qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? T'assire. Ben je vais m'asseoir. Est-ce que tu veux me faire quelques grimaces ? Essayez de refaire la même. Non. Ah ! Comment tu la trouves ? Moche. Du stand-up. Ah. À l'époque où il n'y a pas le Covid. Comment tu le trouves? Beau. Il est beau, hein? Tu te marierais avec lui? Parce que je suis déjà amoureuse de lui. Ah. Depuis combien de temps tu es amoureuse de Pierre Bachelet? Un an et demi. Un an et demi. C'est trop mignon. Faut qu'il attende que je grandisse un petit peu. Oui, faut qu'il attende. Bon, je vais lui donner tout à l'heure une bouteille d'épinard. Ah bon? Je vais donner tout à l'heure une bouteille d'épinard. Qu'est-ce qu'il fait papa comme métier? Il roule. What? Il est rouleur. Il conduit le camion. Ah, il est rouleur. Et maman, qu'est-ce qu'elle fait? La machine. Elle fait la machine. Papa est rouleur. Et la machine à quoi? La machine pour faire du rouleur. Hein? Ah bah y'en a un qui a compris au moins. Tu es tout seul ou t'as des petits frères et des petites sœurs? Ah bah j'ai... trois copains, un frère et une sœur. Trop bien la coupe de cheveux. Tu fais des frères et des sœurs? Non, t'en veux pas. Et pourquoi tu en veux pas? Parce que t'en me plais pas. Il est là, parrain? Il peut pas venir, il a un contrôle fiscal. Qu'est-ce que tu vas chanter? Oh non! J'ai les chaussures toutes neuves! Ça va aller! Oh là là! Mais non, c'est pas grave ça! Putain! Ah, il a bouffé le micro! Ah, ça a dû lui faire un dossier toute sa vie! Son caractère! Oh! Tu pleures parce que tu es content? Quand je suis content, je vomis. Oh, c'est trop mignon. I am going to eat your soul. Où il est papa? Il est pas là. Parce qu'il a pas voulu se montrer sa grande tête à la télé. Qu'est-ce qu'il fait comme métier, papa? T'arrêtes un peu de me cracher dessus. Oh, mais bah, je... mais... je crache pas dessus. C'est beaucoup trop drôle. À 100 000 pouces bleus, on fait un épisode 2. Tu aimes les chansons de Mme Ouskouri? Non. Ah bon? Ah. Ça, c'est grand. Comment tu la trouves? Pas jolie. Bon, bah voilà, ah. C'est fait. T'as eu ton paquet. Moi, je vais cracher dessus et toi, t'es moche. Mon chat, on l'a emmené au vétérinaire parce qu'il y avait un chat, il y avait griffé là, ça s'est infecté, puis papa, s'il revoit, il prend son pistolet, il tire sur le chat. What the fuck? Oula. Il m'énerve, mon papa. Ton papa t'énerve? Oui, parce qu'il dit toujours tout ce il dit des bêtises, puis mais... c'est même pas vrai. Si tu disais des bêtises. Non, il s'est vengé avec sa tête à la fin. Est-ce que tu veux me refaire le pépé des Maupassant? Parce que moi j'ai pas entendu. Vas-y. T'as vu la belle femme? Oh ouais, elle est belle. Ouais, mais toi t'as ta chose à la moitié craquée. À notre invité, l'une des plus grandes vedettes. Oh là là, qu'il est grand. Ils avaient un look à l'époque, grand. C'est où? C'est Eric. Fais voir ton papa s'il est aussi grand. Oui. Combien il mesure? 5. 5? Mais non, bah, dis-moi, c'est éteint. Monsieur, vous devez avoir du mal à vous habiller en confection. Et ta maman? 6. 6 mètres. Eh bien, dites-moi, chère madame. Voilà une grande famille. Et vous êtes une grande famille. Un chien. Tu as un chien. Et combien il mesure? 6 francs. 6 francs. C'est trop drôle parce que tous ces enfants, ils sont adultes maintenant. Et ça leur fait trop de souvenirs. Malik, t'as de jolis yeux. T'as de beaux yeux, tu sais. Oui. C'est les yeux de ta maman ou les yeux de ton papa? Non, c'est mes yeux. I'm stupid, you're smart. Je m'appelle Émilie Jolie. Je m'appelle Émilie. C'est Vanessa Paradis. Je voudrais partir. Mais trop drôle. Tout au bout du ciel. J'ai reconnu avec les dents comme ça. Putain, mais trop drôle. Je voudrais vivre avec vous ma vie.
Incroyable. Franchement, je serais trop chaud pour faire une même émission version YouTube. Important, abonnez-vous à ma chaîne YouTube en cliquant sur ma tête. Juste ici, une nouvelle vidéo dans 3 jours. Et regardez notre vidéo YouTube en cliquant là. Et n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. Bye.